les journaux. Oui, j'attendais avec impatience, maintenant voilà, je suis en finale. Maintenant, alors en finale, hein. Oui, ça va. Bah, disons que c'était une demi-finale, bien sûr. Je me suis dit déjà les séries, c'était très difficile. Et c'est vrai que physiquement, j'ai beaucoup de mal. Mais je pense que les courses de 100 mètres d'hier, ils sont encore pour beaucoup. Il m'a fallu beaucoup de récupération que je n'ai pas eu. Donc toutes mes autres adversaires étaient fraîches. Mais ça me fait du bien de participer à ces deux courses quand même, parce que vous savez. Je ne suis pas venue pour courir pour rien. Ces deux courses vont me servir pour l'avenir, je pense. Donc, je vais les prendre comme ça, comme un entraînement, comme le mental de se forger, comme la capacité à enchaîner les courses, parce que là, j'ai vraiment fait fort. Deux courses en une journée, surtout les 200 mètres. Et les 200, je n'ai pas préparé l'entraînement, donc c'est très bien. Ah, parce que la nuit que tu as passée, elle a dû être super courte. Exactement, voilà. Donc, c'était bien. Je me suis bien amusée quand même. Donc, je pense que le meilleur reste à venir avec le relais. Donc, je pense qu'on va essayer de faire de notre mieux pour que ça se passe très bien. Mais en tout cas, je retiens de ma performance sur 100 mètres. Et les deux courses sur 200 étaient de très très belles courses aussi. Malgré la fatigue nerveuse et physique, j'ai quand même pris du plaisir quand même. De toute façon, maintenant, c'est plus que du bonus. Tout à fait, quoi. Exactement, tout à fait. Merci. Merci Véronique. C'est moi, merci. Bonjour. Bonjour. Bravo Myriam. Ouais, merci. Quel départ. Ouais, j'ai vraiment tout joué sur le départ. Je suis contente de ma course, surtout que j'ai vraiment plus de jambes, je suis crevée. Mais ça passe, et ben c'était le principal. Ça fait donc 3 Françaises en finale. Et ben comme le 100 mètres, j'espère qu'il y aura autant de médailles. Voilà. Sur la fin, donc tu te fais attraper un petit peu par le clignage, je crois. Tu laisses filer ou alors Non, c'est vraiment que j'avais plus de jambes. Mais demain, c'est un autre jour. Les compteurs sont remis à zéro et c'est reparti pour un tour. T'étais pas trop fatiguée avec la journée que tu as passée hier? Ben. Ça va, je manque un peu de sommeil, mais ce soir je vais bien dormir et ça ira. D'accord. Voilà. Bravo. Merci.